Tu aurais pu te joindre à moi, Arwin. Avec l'Invincibus, on aurait pu régner sur les cinq royaumes comme des géants. Au lieu de ça, tu vas te faire anéantir comme... À moins que rien. Jamais je ne me serais joint à toi, Brody. Arwin n'est pas comme toi. Il a des amis. Et je préfère nettement perdre en me battant avec Dario et Gwen que d'être victorieux avec toi. Tu as raison, on n'est pas pareil. Parce que tu es pathétique et rien ne me fera plus plaisir que de t'obliger à regarder pendant que je détruis tout ce qui compte le plus pour toi. On a besoin du neutralisant d'Invincibus. Tout est de ma faute. C'est moi qui ai perdu l'épée. Non, c'est de ma faute. Ma mission était d'empêcher Brody de mettre les mains sur l'Invincibus. Quoi? Mais rien de tout ça n'est ma faute. Et c'est pas la vôtre non plus. Je ne suis pas un chevalier, je suis un inventeur. Mais ce qui relie ces deux choses, c'est qu'ils n'abandonnent jamais. Dario a raison. La bataille n'est pas encore terminée. Daisy et moi, on va essayer de retrouver le neutralisant d'Invincibus. Brody m'a peut-être désarmé, mais il ne l'a pas détruite. Je retourne à mon atelier pour voir si je trouve autre chose à transformer en arme. Et je vous attends ici. Oh, regardez ça, le fils à papa sera enfin utile. Ne me provoque pas, Kaboom. Je fais juste un peu le clown. On est du même côté. Je croyais que tu étais loyal envers le seigneur Byron et la Crimson Caldera. Mais ta seule loyauté est envers toi-même. C'était juste une blague. C'est dans ma nature. Plus maintenant. Qu'est-ce que je fais là? Je n'ai pas la détermination de Gwen ou l'ingéniosité de Dario. Si je n'étais pas le prince, je ne serais même pas ici. C'est pas étonnant que mon père ne m'ait pas écouté. Hé, Arwin, t'avais tort. Il s'avère que j'ai des amis, après tout. Laisse-les partir. Est-ce que tu vas m'y obliger? C'est moi que tu détestes. Détruis-moi à la place. Oh, je le saurai. Mais après que tu m'aies vu les détruire... Brody, attends. Tu es vraiment la bonne personne pour porter l'Invincibus. Tu crois vraiment? Qui mieux que toi peut totalement détruire tout un royaume entier avec l'Invincibus? Personne. C'est vrai. Si seulement quelqu'un pouvait le dire à mon père. Mais ça ne va pas sauver tes amis. Je sais. Je suis juste content que ce soit toi qui le fasse et pas moi. C'est comme ça que je sais que tu me détestes, mais que tu ne me détestes pas autant que ça, finalement. Oh non, je te déteste beaucoup. Non, c'est faux. Parce que sinon, tu ferais en sorte que ce soit moi qui détruise mes amis. Mais qu'est-ce qu'il fait? J'en ai absolument aucune idée. Mais tu ne me ferais jamais souffrir comme ça. Tu n'es pas aussi cruel. Peut-être que c'est pour ça que ton père ne te respecte pas. Mais c'est pour ça que moi, oui. Alors, merci beaucoup. Ah, il n'y a personne de plus haineux et cruel que Brody, fils du seigneur Byron, héritier de la Crimson Caldera! Dario, l'Invincibus ne va pas transformer Arwin en un monstre enragé? Je sens que je vais m'amuser. Peut-être, mais peut-être qu'il sera plus fort que l'armure. J'arrive pas à croire que tu sois tombé dans le panneau. Maintenant, tu vas devoir détruire tes... Ok, alors maintenant, il suffit juste d'enlever l'Invincibus, Arwin. Et ensuite, c'est fini. Nos Voldemort sera sauvé. On aura gagné. On aura gagné? Non, toi! Aucun de vous ne m'a cru capable de le faire. Aucun de vous n'a cru que je pouvais sauver la ville. Je savais que tu pouvais le faire, fils. Vous saviez que je pouvais le faire, père? Vous êtes sûr? Oui. Vous avez passé trop de temps caché derrière la prophétie. Trop de temps à ignorer ce qui se passait. Trop de temps à écouter tout le monde, sauf moi! Votre propre fils! Je suis désolé. Vos excuses n'ont plus de valeur! Attention! Donnez tout ce que vous avez pour l'arrêter! Ah,
juste parce que tu veux l'Invincibus. Tout comme ton grand-père. Ça ferait de toi la guerrière la plus puissante de tout Novelmore. Tu ne devrais plus vivre avec cette peur de ne pas être à la hauteur. Je ne veux pas qu'on se batte. Dommage. Ouvre la porte. Arwin, tu ne veux pas détruire tout ce que tu as construit ici. Comme si tu t'y connaissais en construction. Tu ne seras jamais à la hauteur du génie de ta famille. Tu fais honte au nom d'Avanche. J'ai fait beaucoup de chemin depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Bien essayé, Pantin. Daisy! Bien joué! Gwen, tu ne vas pas utiliser ça? Je veux pas le faire, Dario. Et c'est pour ça que tu dois nous sortir de là. Moi? Je ne suis pas un héros. Si, tu en es un. À chaque fois qu'Arwin et moi avons eu besoin de toi, même si tu avais peur, même si tu ne savais pas te battre, tu nous as suivis dans la bataille. Ça fait de toi un héros. Mais tu es aussi un Da Vinci. Tu descends d'une très longue lignée d'inventeurs remarquables. Donc utilise ton cerveau et invente-nous un moyen de sortir de là. Mes ancêtres, c'est eux qui ont créé une armure imbattable. Moi, je suis juste un bricoleur qui a mis la pagaille. Non, tu as créé une épée qui peut détruire cette armure imbattable. Donne-moi une raison de ne pas l'utiliser. Je vais pas y arriver. Je ne suis pas un Da Vinci. Je ne suis personne. Je suis moins que personne. Je ne suis qu'une petite pièce dans le rouage de... Tu en veux encore plus? Non. Je suis là pour toi. Un gâteau pour chien? T'es pas sérieuse? C'est pas un gâteau pour chien. On doit lui retirer l'armure! C'était ta dernière chance. Maintenant, tu n'as plus rien du tout. Si, j'ai encore mes amis. Et on couvrira toujours tes arrières. Da Vinci, lâche-moi. Tu ne seras jamais... Tu ne seras jamais assez fort pour me battre. Mais je suis assez intelligent. Comme dans le pantin. Les Da Vinci pensent vraiment pareil. Voilà où est votre place, père. Et je sais maintenant que j'ai encore beaucoup à apprendre en tant que chevalier, aux côtés de mes amis. On peut te faire un peu de place? Donc, je vous ai dit beaucoup de choses pas très sympas à tous les deux. Et pour ça, je m'excuse sincèrement. C'était le cristal de la colère qui parlait. On sait que c'est pas ce que tu penses. Et qu'est-il arrivé à l'Invincibus, au fait? On l'a détruite avec le neutralisant d'Invincibus. Très bien, mais alors, qu'est-il arrivé au neutralisant? On l'a donné à Timitor pour qu'il le cache dans l'espace-temps. C'est une arme bien trop puissante pour exister. C'était pas déjà ça le problème avec... Vous savez quoi? Peu importe. J'en reviens toujours pas que t'es convaincu Brody de te donner l'armure. Gwen, tu es peut-être une guerrière douée avec les animaux. Et Dario, tu es peut-être un inventeur brillant. Mais moi, je peux me sortir de toutes les situations en parlant. Vous savez... Hé ? Attendez-moi ! J'étais en plein discours ! Mon fils, tu es revenu. Je me suis battu jusqu'au bout, père. Pas comme tout le monde ici. Et je suis fier de toi pour cela. Mais as-tu réellement de ton plein gré donné l'Invincibus?
Tu avais en ta possession l'arme la plus puissante de tous les 5 royaumes. Mais pourquoi la garder? Non, non, donne-la au prince Arwin. On verra bien ce qu'il en fait. Arwin va me le payer. Ils vont tous me le payer.